Oui, on est de retour, c'est une envie subite et présente, surtout l'envie de rejouer à ce jeu. Alors attention, on avait déjà fait deux vidéos sur ce jeu, vous n'êtes pas obligé de revoir les deux précédentes vidéos pour voir cette vidéo-là, il n'y a pas de suite logique. C'est des petits tableaux, des jeux de plateforme en 2D, 3D entre guillemets, où à la fin de chaque niveau, on est récompensé. Et donc on est récompensé avec des dessins de filles de manga. Et attention, vous êtes prévenus, c'est un peu pervers, c'est un peu vulgaire, on peut voir des formes, des fesses, des tétés, donc ne regardez pas cette vidéo si vous êtes avec vos parents, ne regardez pas cette vidéo si vous êtes trop jeune et... Ouah, putain, ça va être trop dur, c'est super dur. Ne regardez pas cette vidéo si vous êtes facilement impressionnable et toutes ces petites bêtises, bref, vous êtes prévenus, et je suis décédé, et attention, j'avais prévenu que le niveau de difficulté a augmenté, et là par contre il a peut-être un peu trop augmenté. Pour se remettre un peu en jeu, ça devrait aller, voilà. Et à chaque fois, il y a des petits points de sauvegarde ici où on lance des petites fusées. Et du coup, ça nous fait découvrir un peu le dessin. Là, ici, on découvre un peu la culotte. Et bien voilà, on y va comme ça. Voilà, j'ai eu du coffre, j'ai eu des billets. Et on peut sortir par là. Et maintenant, j'ai plein de billets dans les mains et je suis riche, YouTube Money. Et on continue par là-bas. Non, là, par contre, ouais, j'ai bien fait de reprendre un peu au début parce que j'avais complètement oublié mes réflexes du jeu et tout. Il est vachement difficile, je me souviens. Au début, c'était un peu un jeu pour te faire plaisir, mais au bout d'un moment, ça devient réellement un jeu rageant. Un jeu trop dur, un jeu de rage. On est parti, deuxième checkpoint, on va voir quoi? Le bas d'une poitrine. On part sur le bas d'une poitrine qui a l'air waouh, joli, conservé dans un petit fouloir noir comme ceci, c'est très bien. Alors, on attend que les petites boules de feu passent. On passe comme ça, ouais, plus on se rapproche de la tête de toute façon et plus on arrive à la fin du gameplay. Les petits ventilateurs qui te permettent de voler. Et ça va être compliqué parce que je n'ai plus de jus. Oui, parce qu'on a une barre de jus en haut à droite, parce que normalement vous la voyez pas parce qu'il y a ma caméra bien sûr, mais là vous la voyez. Et c'est fini, et nous avons une fille de l'espace pirate avec un bandeau sur l'œil, avec des gros tétés pour faire plaisir à ceux qui aiment les gros tétés, et une main robot, c'est un peu chelou, ça casse un peu le délire, mais c'est pas grave, on continue, maintenant on va se faire... Alors là, j'ai l'impression que c'est un espèce de petit chaperon rouge, ou alors une fille cosplay en... Oh, pas mal le bug. Alors, là ici, on a des espèces de petits... des petits tunnels, des petits chemins, des petits couloirs avec des petites particules violettes. C'est dans ces chemins-là où on a vol à l'infini. Mais sinon, normalement, quand tu voles, au bout d'un moment, tu peux plus voler. T'es obligé de retoucher le sol pour que ta barre se relance. Voilà, je réexplique un peu les règles pour ceux qui les auraient oubliées ou pour ceux qui ne m'ont pas connu quand je faisais des vidéos il y a 2 mois, je crois. Je crois que c'était il y a 2 mois. C'était sûrement cet été. Oh, il y a un petit mouton derrière. Waouh, la citoteuse! Ouais, cet été, on avait fait 2 épisodes sur ce jeu. C'était bien. C'est bien une fille cosplay en Père Noël. Ça va bien avec. Ce mois, on est déjà en décembre. Au fait, on est déjà en décembre. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on était déjà en décembre. Alors là, on a une fusée. Les fusées à tête chercheuse qui nous suivent. Mais là encore, c'est facile. Parce que. Non, franchement, on est vraiment parti dans des niveaux bien, bien simples. Là, je me fais plaisir en fait. Hein. Parce qu'on aurait pu se faire des niveaux beaucoup plus compliqués comme le premier que j'ai essayé de faire au début. Mais. J'essaierai, bien sûr, j'essaierai de le refaire après. Mais ça reste quand même quelque chose de très difficile. Alors là, on part sur. Oui, on part sur. Un TT. Un tété, oulala, j'ai failli tomber, un tété, donc elle est bien cosplay en Père Noël apparemment. Voilà, on attend un peu. Voilà, on attend un peu, on les fait, voilà, on les fait bugger un peu. Est-ce qu'il va revenir? Oui, bien sûr qu'il revient. Et c'est la fin, il était beaucoup plus rapide. Donc c'est bien une fille en Père Noël, avec des gros seins, avec des collants pour les bras et des jambes. Comment ça s'appelle les espèces de collants comme ça qu'on met pour les bras, c'est des collants aussi, ça s'appelle aussi comme ça? J'ai un doute, oui, écoutez, je ne sais pas. Alors, ouais, je vais peut-être... Ah là, la suite du jeu est ici. La suite du jeu est juste ici. Est-ce que ça va marcher? Oui, on est bon. Ouais, parce que des fois ça marche pas, parce que je vais vous dire un petit secret, mais ça reste entre nous, attention. Le jeu, je l'ai craqué, je l'ai piraté. Et oui, bien évidemment, parce que le jeu est payant, alors du coup, moi, ce que je fais à chaque fois, alors là, c'est, je vais raconter un peu ma vie de youtubeur, comment ça se passe quand je veux faire des vidéos. À chaque fois que je trouve un jeu, alors quand il est indépendant et gratuit, bien évidemment, ça pose pas de problème, mais quand il est payant sur Steam et qu'il monte à 9€, 15€, tout ça, bah du coup j'ai pas envie de payer pour un jeu qui soit nul parce que ça m'arrive très souvent de faire des vidéos sur des jeux qui sont nuls et du coup vous ne voyez jamais les vidéos sortir. Donc du coup d'abord je craque le jeu et waouh, ah ouais putain il y a cette mécanique là. Et ensuite si le jeu m'a plu, bah juste après je l'achète. Et alors si vous voulez en fin de vidéo je vous mettrai un screen pour vous montrer que j'ai bien acheté le jeu, pour pas qu'on pense que je suis quelqu'un de méchant qui pirate les jeux et qui vole les petits éditeurs, ne vous en faites pas. Je fais les choses dans la règle, sauf que cette fois-ci la règle du jeu est très compliquée, j'arrive pas à dépasser ça, c'est dur. Voilà, faut juste jamais lâcher le bouton. Hop hop hop, ouais c'est bon, merci, merci pour la sauvegarde juste là. Ah attends, attention parce que la fille de ce niveau là a l'air un peu plus, je sais pas comment dire, mais un peu plus en mode réaliste, vous voyez ce que je veux dire. Alors faut se dépêcher, ah c'est déjà trop tard. Alors je rappelle les règles, les rayons laser, dès que je passe sur le premier ça déclenche tous les autres et ça va très très vite, donc il faut se grouiller en fait. Mais comment tu voulais que j'aille plus vite que... Ah peut-être que c'est pas là qu'il faut passer, peut-être qu'il faut aller ailleurs. Effectivement, fallait aller ailleurs, pas de soucis. On va prendre le checkpoint, mais je vais retourner là parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc caché ici, non?
Non, autant pour moi, j'ai rêvé. Ok, ça c'est bon, petite plateforme, j'ai vu qu'il y avait des fusées. Comme tu dis, what the fuck, what the fuck. Il a dit what the fuck, il a pas dit what the fuck, il a dit what the fuck. Oh, regardez, je suis trop calé pour partir là. C'est bon, elles sont toutes mortes, c'est cool. On continue, petit escalier. Normalement, s'ils sont sympas, il devrait y avoir une petite sauvegarde. Ouh, il y a du lag. Voilà, petite sauvegarde. Alors, on va attendre qu'elle passe là. Hop, barrez-vous, c'est bien. La caméra toujours allumée, pas de panique, on est bon. On est bon, checkpoint. Ce n'est pas la fin par contre. Attends. Mais on n'avait pas déjà débloqué le visage de la fille? Ah non, attends, parce qu'il y a peut-être deux filles pour le prix d'une, attention, on fait pas les... Hein, on vous gâte aujourd'hui, on fait pas les choses à moitié. Mais dans un style beaucoup plus différent que les filles précédentes, là c'est pas vraiment du manga, c'est plus du réaliste. Y a pas de sauvegarde là, vous me faites flipper un peu. Mais vous me faites aller où là? Là, si, y en a une juste là. Il y avait un coffre juste en bas, je l'ai loupé. Alors, c'est bien ça, une fille, deux filles, d'accord. Deux filles pour le prix d'une. Ah bah c'est super, j'espère que ça vous fait plaisir, voilà, tout simplement. On va continuer, ça fait combien de temps que je joue? Un quart d'heure? Un quart d'heure, c'est rien du tout. Non, non, on continue, attends, t'es fou qu'on continue. Surtout qu'on a débloqué un nouveau niveau avec une fille aux cheveux violets, qui elle aussi est pas trop en manga, enfin bien sûr si c'est du dessin, mais dans un style assez réaliste. On peut pas aller à gauche, putain, quand je peux pas, je voulais aller à gauche, moi, vous me cassez les couilles! Oula, oh, on est dans un cimetière. Il y a des tombes et tout. Ouais. Wow, oh, il y a des... Oulala, oulala. Oh là là, ouh, alors là, par contre... Je viens de débloquer un truc en arrière-plan là. Alors qu'est-ce que c'est? Un sein, une fesse, un genou. J'opterai plus pour le genou. Oh là là, il a l'air méchant. C'est un nouveau gameplay ou non? Mais je suis allé en... Je suis censé aller en haut ou à... Putain, je suis perdu. Ah, c'est étrange, je suis perdu. Je suis perdu. Mais écoutez, on va aller de petites plate... Non, attends, stop, stop, stop. Il faut aller où là? Il y a de la lave partout. Mais on confond la lave et les plateformes. Bon, au moins ce qui est bien, c'est que j'ai pu sauvegarder mes billets. Alors, oui, apparemment, c'était des genoux, puisque là, on reconnaît un petit nombril. Elle a l'air vachement dénudée, celle-ci. On n'avait pas l'habitude d'avoir des filles aussi à walper. Bon, ils nous disent d'aller à gauche. Écoutez, moi, je vais à gauche, je les écoute. Peut-être en bas. Ça a l'air vachement labyrinthique. Oh! 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 Waouh! Waouh, ça m'a fait peur, mais pourquoi ça m'a fait peur? J'ai l'impression d'avoir mangé le plus gros jumpscare de toute ma vie. Hey, une sauvegarde en haut, moi je vais aller à la sauvegarde. La frayeur, ah ouais, ouais, ah ouais, ah ouais, d'accord, je vois. Waouh, mais il y a aussi les trucs bleus, putain. Alors attends, j'imagine qu'il faut aller tout en haut. Là, ah, non, non, je me suis fait flipper à cause du rayon laser qui allait me bloquer. Putain, mais on recommence vachement loin. Attention, on est prêt. Ouais, là ça va tous jouer maintenant. On est bon, on est bon, on est bon. Ok, c'est parfait. Checkpoint. On débloque le côté de la... Fesse gauche, si je dis pas de bêtises. Je peux passer en dessous, oui. Je passe là, waouh. Ce niveau est vraiment étrange. On part à droite, j'imagine. C'est super compliqué de savoir où est-ce qu'il faut aller, en fait. Oh, putain, non. Alors, ça, c'est mort. Je fais vraiment gaffe. Clément, tu te concentres. Voilà, tu l'as, ta boule. Alors, n'oublie pas qu'il y a une fusée que tu viens d'esquiver. C'est bien, bravo, félicitations. Et là, on part comme ça, et... On n'en parle plus, c'est bon, j'ai réussi. Alors, fille violette avec des cheveux à la marche Simpson. Des boobs presque nus, des fesses presque nues, et on est tous contents pour le plaisir de nos beaux yeux. Bref, on va s'arrêter là. Alors, petite pensée à toutes ces filles. Je me souviens dans les commentaires de ma précédente vidéo sur ce jeu-là qui me disait « Ouais, mais pourquoi y a que des filles? Est-ce qu'il n'existe pas un jeu où on peut mettre des mecs et tout? C'est nul !» Oh, les filles. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous les filles, je vous promets. Donc on se retrouve sur un des tout premiers niveaux du jeu tout simplement. Donc là vous êtes en train de vous dire mais pourquoi est-ce qu'on refait le premier niveau du jeu? Bah déjà parce que c'est plus facile et surtout parce qu'il est plus rapide, parce que je ne peux pas non plus faire ça pendant 4 ans. Et attention, regardez ce qui va se passer. Ben là normalement sur notre gauche dès le prochain checkpoint, vous allez avoir ce qu'il vous faut. Voilà, juste cela, premier checkpoint. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouh, mais dis-moi, c'est un caleçon, Jamy? Ça m'a l'air d'être un caleçon, je ne sais pas. Essayons de continuer le jeu pour en voir un peu plus. Non, là on a juste droit à un petit coude, rien de bien fou, rien de bien intéressant. Et attention, dernier checkpoint. Non, c'est un torse. Voilà, des torses, des tétés. Attention, YouTube va censurer ma vidéo. Je n'ai évidemment pas le droit de montrer des tétons dans ma vidéo. C'est évident, c'est la loi, c'est comme ça. Et attention, dernier. Et boum, oh mon dieu, c'est Farod Games en tétons, en caleçon dans la neige parce qu'il se croit trop dark, il fait des photos trop dark et tout. Voilà. Pour vous faire plaisir, alors cette photo date d'il y a 3 ans évidemment, elle était dans mon disque dur, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre. Parce que oui, dans le jeu, quand vous achetez
acheter le jeu, quand vous ne craquez pas le jeu, vous avez la possibilité d'inclure, voilà, ça ne veut rien dire, d'incruster et d'inclure vos propres photos, si vous voulez. C'est vachement ridicule, je suis très mal à l'aise, je regrette d'ailleurs d'avoir fait ça, en fait, mais j'aurais peut-être dû mettre une photo d'un vrai mannequin. Déjà, ça aurait été mieux, ça aurait été plus crédible, et surtout que là, niveau vérité, il n'y a rien du tout, donc on va vite partir. Donc, on part sur ma bibliothèque de jeux, et donc, voilà, on est sur Steam, donc vous voyez bien que j'ai le jeu, il a été installé aujourd'hui, j'y ai joué 5 minutes, évidemment, évidemment, pour mes vidéos, je préfère jouer à la version craquée. Pourquoi? Parce qu'il y a toute ma sauvegarde qui est là-bas. Le nouveau jeu que je viens tout juste d'installer, que j'avais acheté d'ailleurs, ben, je l'ai pas lancé, donc il y a niveau sauvegarde, il y avait rien, j'avais pas tout recommencé au début pour continuer, donc voilà pourquoi je préfère continuer le jeu craqué qui souvent bug. C'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas acheter des jeux craqués et acheter des vrais jeux. Moi, ça m'aura servi de leçon, j'aurais dû l'acheter à l'avance, et s'il était pas bien, ben, je sais pas, je me serais fait rembourser ou des conneries comme ça. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui, à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Merci à vous pour vos pouces bleus et vos commentaires, à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Bonne journée, bonne soirée, bisous, et ciao!